Salut à tous, c'est Bouddhi 3D. Aujourd'hui, on va imprimer le Wendigo de Printed Obsession qui se trouve sur le store de My Mini Factory. Vous commencez à me connaître un tout petit peu, vous savez bien que j'aime bien l'univers des Marvel mais aussi du fantastique. Donc ici, on a un Wendigo. Donc pour moi, on va dire que c'est un chien des enfers. Je le trouve vraiment pas mal. Si vous faites des dioramas avec plein de monstres et tout ce qui est fantastique, vraiment ça peut être une belle pièce. On va mettre ça dans 3D Builder et on va voir ce que ça donne. On se retrouve sur 3D Builder. Donc voilà, quand on l'ouvre, il est comme ça. Donc on l'incline de 90 degrés. On le positionne. Voilà. Ensuite, on va voir un peu de plus près s'il est de bonne qualité. Donc il n'y a pas trop de côté brut, on va dire, tout est vraiment arrondi, c'est vraiment pas mal. On retrouve les dents, super sympa, et très très bien fini. Ensuite, on va aller voir combien de faces il a. On va voir si ça a été bien fait ou pas. Donc on va dans modifier, simplifier, et là voilà. Une fois qu'on fait ça, on voit bien que tout est homogène, tout est régulier, il n'y a pas de coin blanc, on va dire, sans trop de détails. Donc c'est un très beau fichier, on va pouvoir l'imprimer et voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne dans le slicer. On voit vraiment qu'il y a énormément de support sur la tête, ça va encore, mais sur le corps vraiment c'est énorme. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite séparation en plein milieu du corps, mais bon, après je trouve qu'on a un assez bon résultat niveau qualité de l'impression, donc j'ai pas trop à me plaindre. Là c'est vraiment une taille énorme, on l'a mis à 13 cm sans la tête. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer tous les supports qu'il y a et à quoi il ressemble dans le slicer. On va aller imprimer ça et on va voir ce que ça donne. J'espère que ce modèle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like pour me soutenir, ça me fera plaisir. Si ça vous intéresse, vous avez toujours mon code promo que je mettrai dans la description pour avoir 10% sur le store de My Mini Factory. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine vidéo et bon print à tous. Tchuss!